Bonsoir à vous, très chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes vendredi 1er novembre, nouvelle lune, lune en scorpion. J'avais à cœur ce soir de vous préparer cette petite vidéo, de vous réaliser cette petite vidéo, un peu atypique, un peu différente des autres. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, c'est le jour de l'amour. Le vendredi, c'est le jour où c'est un bon jour pour formuler des demandes d'attraction d'amour et de confiance en soi. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser, je dis bien essayer, de ne pas utiliser trop de cartes, j'en ai beaucoup, à chaque fois je suis très tentée. Mais mon idée là, c'est de faire des formats un peu courts. Voilà, hein, là je viens de sortir toutes les vidéos pour le mois de novembre pour chacun de vos signes, vous verrez. Et là, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte. Alors, puisque l'honneur est au scorpion, je vais commencer par les scorpions. Donc après, je tirerai au sort. Donc, l'idée ici, là, ce soir, ça va être un message en trois cartes. Mais c'est avec l'oracle des sorcières, histoire de sorcières. En fait, l'idée, c'est quelle petite sorcière te veut du bien. Et chaque carte délivre un petit message d'amour, bien sûr, de conseil, de soutien. Et avec aussi des actes psychomagiques. Voilà, j'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos de mon désir de vous réaliser à mon retour. Je pars demain en Suisse. C'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, parce que je ne vais pas pouvoir tourner pendant au moins 10 ou 12 jours à peu près de vidéos. Donc déjà, je voulais terminer les guidances du mois de novembre et puis réaliser celle-ci. Et voilà, ça y est, j'ai digressé. Oui, voilà, je vous disais, dans les vidéos que je viens de réaliser pour vous, là, pour le mois de novembre, j'ai expliqué que j'avais envie de vous faire une vidéo bientôt sur tous ces petits actes, avec des rituels, des petits actes de psychomagie pour, s'apporter, se faire du bien au quotidien. Allez, j'arrête de parler, on y va. De toute façon, je mettrai le timer en dessous. Allez, on continue. On continue. Alors, avec qui ? Quelle sorcière a envie de sortir et pour qui ? Pour les balances. Et ben voilà, les balances. Alors, dans la continuité de la guidance d'hier, que j'ai réalisée pour vous pour le mois de novembre, quel acte de psychomagie peut se révéler utile et intéressant pour vous ? Pour les balances. Ah, on a le 2 de coupe avec la justice. Justice en lien avec la carrière. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Et avec le 2 de coupe, vous êtes dans une certaine forme d'hésitation un petit peu stérile. Dans le sens où quelque part, il y a quelque chose qui peut-être quelque chose qui vous empêche de. Parce que prendre parti, vous pourriez avoir peur, soit préjudiciable pour vous. Et donc, vous n'avez pas la réponse, vous êtes dans une situation un petit peu insoluble. Ici, voilà, vous ne savez pas forcément trop sur quel pied danser, donc vous hésitez. Bon, donc si jamais vous vous sentez concerné un petit peu par cette idée-là, même si ce n'est pas ça le message, en tout cas, celui-ci vous propose... Ah, encore ? Encore la renaissance et réinvention. Ça fait au moins 3 ou 4 fois que ça sort depuis le début. Incroyable. Incroyable. Décidément, c'est un mois... de réinvention pour beaucoup de signes, là. Eh ben, c'est parti, rebelote. Je vais faire la troisième fois la lecture. L'action réfléchit à tous les bouleversements que tu as connus, à la façon dont chacun d'eux t'a fait grandir. Pardon, excusez-moi. Es-tu satisfait de la personne que tu es devenue ? Coiffe un cupcake d'une petite bougie et fête ton nouveau moi. Si tu n'es pas satisfait par la personne que tu es, mets quand même cette bougie sur le cupcake. Mais au moment de l'allumer, fais le vœu de renaître et de devenir quelqu'un de meilleur encore. En divination, cette carte porte 2 messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement, tu vois, voilà, 2 coupes, 2 possibilités, 2 messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement où tu en sors à peine, auquel cas tu peux fêter ta renaissance, soit il est grand temps de te réinventer. Hésiterais-tu pile au moment charnière d'un bouleversement ? Cette carte t'invite à foncer, donc à décider, à agir par rapport à une chose. La magie.
Si tu souhaites célébrer une forme de renaissance, voici une cérémonie magique toute simple. Par le biais d'une douche ou d'un bain, ou avec une grande bassine d'eau dehors, si tu disposes d'un coin à l'abri des regards, ou encore dans un lac ou dans un cours d'eau, si tu as la chance d'habiter non loin de là, prépare un rituel de transition. Tu peux faire brûler de la sauge ou laisser quelques herbes ou fleurs flotter à la surface. Prévois un peignoir ou une tenue confortable à enfiler quand tu auras terminé. Cette tenue symbolisera ton nouveau moi. Elle doit donc être à la fois confortable et si possible différente de ce que tu portes d'habitude. Déshabille-toi lentement, consciencieusement, comme si tu quittais ton ancienne peau. Pénètre dans l'eau ou sous la douche et trempe-toi de la tête aux pieds. Ferme les yeux et imagine-toi à l'intérieur d'un œuf. La coquille se fissure, tu en ressors frais et neuf. Sens l'eau qui évacue ton ancien moi. Une fois prêt, sors de l'eau, sèche-toi et enfile ta nouvelle peau. Ressens la profondeur de ces changements et sache qu'à partir de maintenant, tu ne seras plus tout à fait le même qu'avant. Et peut-être que vous arriverez à sortir d'une situation peut-être insoluble. Vous voyez, c'est un peu l'idée, ou un peu compliqué, d'hésitation, etc. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, en complément de la guidance que j'ai réalisée pour vous. Merci et à bientôt. Portez-vous bien. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.